Et on commence avec cette bonne nouvelle pour l'économie dans le département de l'Aisne. La ville de Guise voit s'implanter une entreprise de production de scooters électriques sur l'ancien site de Magincia. Parmi les salariés, on retrouve d'anciens employés de l'usine de mobilier de bureau. On y produit désormais des scooters avec batterie. Ils seront loués et reconditionnés sur place. Rémi Vivenot, Arnaud Wüst. Il circule en silence dans les rues de Guise. La M1 est un scooter totalement électrique, vitesse de pointe 50 km/h. Peut-être une fabrication d'avenir qui prend vie ici à deux pas du fameux Familister. Alors ce scooter, il a plusieurs particularités, dont l'origine France garantie. Donc plus de 50% du coût du scooter est supporté en France. Donc une majeure partie de l'assemblage sur Guise. Donc la M1, donc 50 cm cube équivalent. Du coup avec une autonomie, une batterie 40 km, deux batteries 80 km. Depuis quelque temps, la production monte en puissance dans les locaux de l'entreprise Mobion. 500 scooters ont déjà été immatriculés. Actuellement, chaque personne sur ILO monte environ un scooter entre 2h30 et 3h. Donc on espère améliorer le temps à faire mesure. Le site emploie pour le moment une vingtaine de personnes. Mobion a racheté les halls et les machines de l'ancienne usine de meubles métalliques Magincia. Elle a aussi repris certains de ses salariés. Je suis extrêmement content d'être là. Les gens sont attachés à leur travail. Certains ici travaillent depuis 30 ans. Ils connaissent très bien leur métier. Ils savent ce qu'il y a à faire. Ils sont d'accord pour être polyvalents. Une aubaine, notamment pour Florian. Il a vécu plusieurs plans sociaux ces dernières années. Pour la ville, c'est très intéressant d'avoir du travail. C'est surtout ça, parce qu'on est dans un endroit où il y a beaucoup de chômage. En fait. Donc c'est un espoir pour les gens du coin, en fait. Mobion se distingue par son modèle économique. Les scooters sont proposés en location longue durée, 59 € hors taxes par mois. Et leurs pièces sont conçues pour être réutilisées à 62% pour en faire de nouveaux. C'est ce qu'on appelle un design démontable qui permet de pouvoir réutiliser des composants qui sont capables d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue pour refaire des produits neufs à partir de ces composants qui ont été pensés pour avoir une vie, deux vies, trois vies, quatre vies, cinq vies. Aujourd'hui, on s'est limité à cinq vies. Mobion devrait lancer bientôt un scooter 125 et un autre à hydrogène. L'entreprise prévoit d'employer 70 personnes fin 2023 et de produire à terme à Guise 30 000 scooters chaque année.